Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça sera un unboxing avec la société Fancell. Alors, ce n'est pas un partenariat, c'est avec mes petits chouchous à moi. Donc, quand j'ai passé commande, on devait, ben, si la commande atteignait 30 euros, nous avions, zut, nous avions un cadeau. Donc, on pouvait choisir Diamond Painting ou Point de Croix. Moi, j'ai choisi Point de Croix. Donc, je vais déjà pousser ça. Donc, on va déjà déballer le petit article accessoire que j'ai commandé. Pas tout casser, hein. Voilà. Alors, l'ouverture, où est-elle? Donc, j'espère que tout le monde va bien. Donc, tant que j'y suis, j'y pense. Je voudrais remercier Céline. Sa chaîne, Céline, et c'est déjà pas mal. Donc, ceci, c'est un petit cover-minder. Donc, je vais essayer d'enlever la couche de protection. Et voici le petit lapin avec broche de houx et une lanterne éclair. Je la trouve très très jolie. Bien sûr, hein. Bleu, violet, tout ce que j'aime. Surtout le violet. Hein. Donc, toujours l'aimant. Je n'arrive pas à l'enlever. Attendez, je vous mets devant. Bah. Oh vache. Ah oui, d'accord. Donc, il colle. Hein. Donc, ceci. Alors, je vais regarder dans mes mails. Hop, ça doit être celle-ci. Donc, l'aimant. L'aimant, ben, il est où? 1, 2, 3, 4. Tuc, tuc, tuc. Alors, il est au prix de 1,80 € au moment de ma sélection qui était... je vais vous redire ça, c'était pas le 15 parce que le 15 c'est le mail, le 13 juin. Voilà, je reviens sur les liens et sur les prix, j'étais trop vite. Donc, mon cadeau, parce que ça a dépassé les 30 euros, ou c'était 30 lire, je ne sais plus. Bon, bref. Donc, j'ai reçu ça. Spring. C'est du... On s'était... Alors, 50 sur 58 centimètres. Ben, dis donc. Voilà, plus cher, hein, là... La pochette, mais bon, ça c'est pas grave. Je vous montre sans l'étiquette. Ah, c'est collé. Ok. Donc, apparemment, elle doit exister en 11 ou en 14. Moi, je vous dis 11, mais est-ce que c'est du 11?
Oui, c'est du 11. C'est du 11. Alors, vous avez toujours les explications. Je crois que je vais vous réduire un petit peu. Oui, sur un, c'est bon. Toujours les mêmes explications. Hop. Après, vous avez le diagramme. Donc, partie 1, partie 2, partie 3. Il y a une petite souris? Ah oui, je n'avais pas vu. Et partie 4. Mais je ne la voyais pas si grande, cette coupe de glace. Ouais, c'est dingue. Alors, nous avons 57 croix complètes. Vous avez 4 backstitch, donc pour arrière, et de cette feuille-là, le mixed, donc c'est mixé deux couleurs, vous en avez deux. Voilà, on va regarder. Ah, je crois qu'ils étaient agrafés. Hop, on va regarder les premières. Alors, vous avez toujours la pochette zippée avec deux aiguilles. Et là, on va regarder de la couleur 1 à couleur 15. Et de 16 à 30. On scelle les deux là. Il pète. Il pète, il pète. Cœur qui flash. Une fois. Et de 31 à 45. Alors, celle-là encore plus. Elle est vraiment. Elle est encore même plus foncée que, plus pétante que sur la vidéo. Et après de 46, je mets correctement les fils, 46 à 60, celui-là comme il est beau, attendez, vous ne voyez pas, le dernier là. Voilà, et je voudrais savoir le 60, c'est quel 60, 60, 60, il est où? 57. Voilà. Alors, pourquoi il est où le 60? Ah, c'est du 38-19. Ah, il sera juste utilisé pour le mix de deux couleurs. Hop là. Et donc, on va ouvrir la toile. Donc, comme j'ai bien compris, chez Spring, il n'y a que les grandes toiles qui sont emballée dans un sachet de plastique. Elle est gigantesque. Donc, je vais vous la mesurer. Hop. Donc, en point, elle fait 174 sur 208. Alors, elle fait 48,5 sur 39,5. Oui, 39,5. Donc, vous avez bien. Alors, allez sur jeter. Vous avez bien le diagramme tout autour de la toile.
Après, au niveau symbole, violet, alors le trait violet, je cherche le trait violet, il est où? Ah là. Comme j'ai pas de lumière entre le rouge. Est-ce qu'on a du rouge? On a du orange. Mais on n'a pas de rouge. Ok. Ok, non, bah ça va. Nickel. Donc je pense que. Alors ça c'est le mixin. Ok. Ils ont tout compris chez eux parce qu'ils marquent ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ne marquent pas les le poids arrière sur les toiles. Donc voilà, je remets celle-là parce qu'autrement je vais être envahie de toiles. Donc celle-là, je ne peux pas vous donner le prix puisque c'est cadeau. Mais sur le site, c'est marqué le cadeau, il s'élève à 5,81 €. Donc après, nous avons une série. C'est pour ça que je dis merci à Céline parce qu'elle l'a fait. Elle a fait une unboxing sur sa chaîne. Et forcément, j'ai craqué. Hein. Attendez, si j'allume la lumière. Oui. Il y aura peut-être mieux. Ouais, ça a l'air d'être mieux. Donc là, ah mais j'ai plus de pochette action. Ah bah zut alors. Donc voici le modèle. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Alors en point, elle fait 312 sur 224. On s'était 82 sur 62 cm. Et apparemment, ils la font en 9 CT. Donc, on va regarder. Bon, il y a toujours les mêmes explications en anglais. Ça, ça va aller au recyclage. Donc, je vous montre le patron. Donc, celle-ci, elle est au prix de 11,70 €. Alors je pense que le patron est quasi plus petit que la toile. Moi, je suis en train de regarder sur la miniature. Donc ça c'est 1, 2, 3, 4. Après on retourne. 5, 6, 7 et 8. Donc nous avons 46 couleurs et que des croix complètes. Hop. Donc là je vais vous montrer la toile. Oh là 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 là. My God. Oh les couleurs. Oh, mais je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Hein. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Mais la toile. Ah, si vous voyez un petit peu là. Pailleté. Attention. Donc, est-ce que vous allez la voir entière? Ça, je ne sais point. Alors,
J'ai vu que j'avais un toolkit. Alors, vous en avez deux. Vous avez deux aiguilles plantées sur la toile. Et j'en ai vu par là. Donc, je vais ouvrir le toolkit. Reviens là, toi. Donc, vous avez le pompon avec une, deux, trois, quatre, plus. Plus les deux qu'il y avait dans la toile que je vais enlever tout de suite. Que je vais planter dedans. Hop. Plus la bague. Et un enfil aiguille. Donc je vais remettre dedans. De toute manière, je vais mettre dans mon étui. Que j'ai acheté, comment on appelle ça, magnétique. Je vous avais montré l'autre jour que j'avais presque plus d'aiguilles. Donc, ouais, 46. Alors, est-ce que vous la voyez entière? Non. Là. Alors, je vais essayer de. Attendez, si je vous règle un chouille. Voilà. Ouais, non, mais j'arriverai pas à vous la montrer. Si je réduis. Non, je peux pas plus. Donc, je vais vous la montrer comme ça. J'espère que vous allez la voir. Donc, c'est du bloc. Hein. Du bloc. Je vais vous montrer comme ça. Vous voyez, c'est vraiment du bloc. Je dirais presque un château. La maison là. Après, je vous montre de l'autre côté. Petite voiture rouge. Je fais comme je peux, hein. Et là, t'as le dernier pont. Voilà. Donc ça, c'en est une. Donc, je vais vous montrer les écheveaux. J'aimerais bien la mettre. Pas les sortir. Donc ça, c'est un vert clair, hein. Ils sont moins foncés. Donc ça m'a l'air d'être du blanc, du rose clair. Ça doit être du 819 celui-là. Ça, c'est un vert foncé, hein. Et là, vert clair. Hop, je prends tout avec. Donc, on va regarder la petite cartonnette du 37 au 45. Voilà. Et ce que je ne savais pas, c'est... Ah non, je croyais que c'était les... comment on appelle ça? Les DMC. Et le blanc, voilà, une taille. Après, du 1 au 18, il y en a une ribambelle, hein. Il y en a quoi,
c'est du 11 CT. Alors, je m'avance un peu plus. Là, c'est un beau jaune soleil, quoi. Oh, puis ces quatre couleurs-là. Mais j'adore, 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 j'adore. Dommage que le 1, il n'y en a pas plus. Le violet. Donc, ceux qui n'aiment pas le vert, c'est pas pour vous. Hop. Attendez, ce que je vais faire, je vais remettre les cartonnettes. Comme ça. Je vais remettre tout dedans parce que autrement je vais m'emmêler les pinceaux et c'est pas le but. Hop là. La première, on l'a pas mesuré. Oh bah tant pis. Après, nous avons celle-ci. Elle m'a l'air d'être plus petite, celle-ci. C'est une 60 sur 85. Ah non, je dis des bêtises. Je regarde le 9 CT. C'est une 51 sur 71 cm. Et c'est 177 points par 265. Oh, c'est quoi? Un point? Ah bah, j'ai mis le truc à l'envers. Bon, bah, tant pis. Ok, on va essayer de mesurer celle-ci. Là, je commence à avoir des bouffées de chaleur. Il est chaud. Donc, je vous montre la petite image. Alors, toujours la même feuille d'explication. Donc, ça, ça ira au recyclage. Je vais vous montrer le patron. Alors comme ça. Comme ça. On tourne les petits lapinous. Et voilà. Alors, nous avons 43 couleurs. Nous n'avons pas de patron. Non, croix complète. Et je pense que la petite, ça doit être autocollant, je pense. Ou pas. Si, si. Allez, hop. Pour ceux qui veulent mettre dans un carnet de suivi. Donc, allez, on va commencer par les échevettes. Alors, blanc, vert, bleu, bleu et bleu marine. Hop. Après, toujours le même toolkit. Je ne vous ressors pas, hein. C'est exactement le même. 1, 2, 3, 4, plus 2, 6. Oui, c'est ça. Sur les fils pour vous montrer
Il est moins pétant celui-ci, hein, l'orange là. Un joli mauve. Deux verres parce qu'on a l'impression que. Hop. Mais correctement. Ça, c'est un rond. Comme de la rouille. Est-ce que je vous ai montré cela? Je n'en crois pas. Je ne sais plus. Bon, bah, je vous remontre au cas où. Après, il nous en restera encore deux à voir. Donc celle-ci, elle est aussi pailletée. Elle est surpiquée. Excusez-moi, je vous ai tapé dans la barre du téléphone. Ouais. Pailletée, pailletée, hein. Oh là là. Elle est magnifique, hein. Donc, je vais prendre mon mètre pour vous la mesurer. Bon, c'est pas tout à fait droit tout ça. 61 sur 41. On avait dit quoi? Je sais plus. On regarde au niveau dimension. Oui, je vous avais dit 51 sur 71. Alors, est-ce que vous la voyez entière? Voilà, là vous la voyez entière. Voilà. Hop. Alors, je vais remettre le toolkit. Hop. Je vais remettre ça dans ma boîte. Désolée pour le bruit. Ah, bah alors, ça veut pas. Elle doit rester sortie pour être sèche. Je ne sais pas laquelle que je vais commencer par contre. Donc là, troisième. Donc elle fait. Celle-ci. Alors celle-là, c'est pour Halloween. Hein. Alors 173 points sur 244, elle fait 51 sur 66. On c'était. Oh, j'ai l'impression que c'était moins grande. Donc toujours toile pailletée. Donc je vous montre le dessin sans lumière. C'est aussi une toile l'autocollant. Ça m'a l'air d'être plus petit, hein. Donc sur quatre feuilles. Niveau diagramme, elle est plus petite celle-là. Et nous avons que 27 couleurs. Et nous avons du backstitch. En 938. Alors, je ne sais pas, il est où le backstitch? Très noir, oui, mais je vois pas.
Je ne vois pas. Ah, peut-être pour là. Oui, ça doit être ça. Pour l'écriture de... Et bon, comme je comprends pas de chinois. Ah, et de l'autre côté aussi. Non, on va voir sur la toile. Ah, c'est scié. C'est scié en doré. Donc, toujours la même feuille d'explication. Toujours surfilé. Alors, toujours le même toolkit. Je vais pouvoir remettre des aiguilles dans ma pochette. Donc voilà les... Ah, mais il est orange. Mais qu'est-ce qui pète? Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Donc bien 26 couleurs. Les trois là, ça pète. Hein. Attention. Parce que vous brodez dans le noir, ça vous éclaire. Tellement que ça flash. C'est agréable, là. Hein. Quand il y a des couleurs comme ça qui. Ben moi, je sais que j'adore. Je ne sais plus les dimensions. Donc oui, je vous montre le backstitch. J'espère que vous allez le voir correctement. Voyez. Après, c'est vous. Vous le faites ou vous ne le faites pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous avez vu les petits garçons, ils ont les petits bandeaux dans les cheveux. Donc surfilé, backstitch, vous voyez, c'est en doré, ils le mettent là. Donc, mon maître, c'est aujourd'hui, c'est unboxing. Hein. Alors, celui-là, je vous mettrai, que je réfléchisse, la semaine prochaine. Lundi prochain. Donc j'espère que si vous avez des enfants qui passent le brevet, tout s'est bien passé. Alors, mon fils, il est casé dans le bus. C'est des parents, ils ont râlé hier. Alors ça fait du 55,4. J'avais dit quoi? 66 sur 40,1 et c'était 51. Alors, je sais pas si c'est le collège qui a demandé à l'organisme de Ah, juste par une longue de transport de faire le ramassage parce que ben, c'était pas prévu. Alors, ou c'est les parents qui ont râlé, moi en tout cas j'ai pas râlé, ou c'est le collège qui a pris l'initiative parce qu'en principe, au niveau de la sécurité, elles sont obligées de. D'avoir un moyen de transport parce que actuellement les trois quarts des parents, allez, les 90 cas des parents travaillent tous les deux, hein, hommes et femmes. Hein. Donc moi je sais que bon, je suis à cas extrême, je ne travaille pas. Bon, j'ai des problèmes de santé, mais je pourrais me permettre d'aller travailler. Et là, il repart
Ben là, où il est sorti, où il va, parce qu'il finissait à 35, dans 3 minutes. Et le bus le prenait à 15h. On a reçu un SMS entre midi pour dire que les horaires avaient changé. Et je vous avais dit quoi? Il n'y a pas d'étiquette là-dessus? Oh non, c'est pas ça. Ah si. Non, il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette. Après, ça va être triste. Ouais, pas d'étiquette. Bon, ça, c'est une toile pour Noël. Donc, le tout petit, toujours le même. Et ne vous faites pas piquer parce que vous avez deux aiguilles dans la toile. Il fait pas beau. D'un coup, là, ça, le temps, il a changé. Donc là, ça doit être du noir. Attendez, vous savez quoi? Je loue celui-là. Il faut voir si c'est du noir. Là, c'est quoi? Du 839, on en a. Non, mais on a du 310. Oui, on a du 310. Donc, ah oui, marque pas le l'ADMC, vous voyez? C'est le numéro 2 et vous voyez, le numéro 2, c'est du 310. Ok, j'avais jamais eu de... Je ne sais plus si je vous ai montré. Là, il y a, vous avez un bleu clair. Non. Excusez-moi pour le bruit. Bon, ça, je vais vous montrer. Bah, du coup, je ne sais pas. Bah oui, il n'y a pas d'étiquette. Voilà, je suis perturbée. Donc, pour Noël. Donc, je vous montre. Les deux premières pages. Il faut que je m'éloigne. Et de l'autre côté. Alors, nous avons 33 couleurs. Et pas de backstitch sur celle-ci. Donc, on va regarder les... Et mais quasi tous les oranges sont flashy, hein. Oh, j'adore. Donc, je vous montre. Ça flash, ça flash. Et voici le deuxième côté. Voilà. Et là, il y a beaucoup, beaucoup moins de couleurs. Hein. Ah, toujours pailleté. Oh, ils ont énormément de marge. Hein. Regardez. Juste pour voir. Parce que déjà, sur l'autre, il y avait une marge phénoménale. Allez, juste avant les marges, 7,5 cm. Attends, je l'ai en main. Est-ce que vous la voyez là? Oui. Approximatif, elle fait 41,5. Oh les piou-piou là. On va se faire très droit tout ça. Sur 56. Donc, est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, vous avez 180 points sur 245 points. Toujours surfilé. Toujours pailleté. Je suis en train de chercher mon mouche. Je ne savais plus ce que je devais dire. Hop.
Alors, on peut se les plier comme ça, comme ça. Hop. Et je vais vous donner les prix. Celle-là, ça sera la dernière que je ferai. Le thème de l'hiver. De Noël même. Je vous mets sur pause, je reviens. Donc, me revoilà. Donc, là, celle-ci, celle de Noël. Elle est au prix de 9,96 €. Celle-ci, c'est avec dans le champ vert à 10,31 €. Et celle-ci, c'est les maisons. C'est la maison. Oui, c'est la maison, les maisons, enfin, le village, des lapinous. C'est limite, hein, le sachet. Alors, les maisons, c'est à 11,70 €. Ah mince. Donc, je revisionne les vidéos, la vidéo parce que... Ah bah c'est le 3, c'est celui-là de Noël. Je me ressouviens. Et donc après le village avec les citrouilles automnales. Alors il est à 10,19 €. Voilà, voilà. Je vous mets celui-ci. Mon petit cover minder. Est-ce que vous voyez tout? Hop là. Je vais bouger le... Voilà. À peu près. Voilà. Comme ça, je ne bouge plus. Bon, bah écoutez, cette vidéo sera en ligne le lundi 3, il me semble. Si mes souvenirs sont bons, oui, ça doit être ça. Bon, bah écoutez, je vous attends en commentaire si vous avez des questions à me poser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée parce que je la mettrai le matin, oui, mais après, ça dépend quand vous la regardez. Donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.